Hop, 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 hop. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est absolument incroyable. Les gars, je suis trop fan. Regardez comment il est trop beau. Voilà à quoi il ressemble. Hello tout le monde, j'espère que vous... Non, viens, viens, fais la troupe, même si c'est... Non, fais la vraie intro. Yo tout le monde, c'est Lana. Allo tout le monde, c'est Lana. Yolande, elle a la voix complètement cassée, elle est complètement malade. Là, on est arrivé sur l'île, on est un peu sorti le soir, etc. Et elle est vraiment exténuée. Je ne peux pas filmer, les amis, je suis désolée. Voilà. Donc, du coup, eh ben, aujourd'hui, on se retrouve avec Lolo. Donc, c'est très très bizarre de filmer tout seul, franchement, j'ai archi pas l'habitude. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un haul YesStyle. Et ça tombe bien parce que j'ai passé une grosse commande sur YesStyle. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça en vidéo. En plus, j'ai un code promo, je vous le laisse juste ici. Comme ça, au moins, tu peux payer encore moins cher des prix de base qui ne sont pas chers pour certains vêtements. Je suis trop contente, franchement, de tout ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Je crois que c'est la meilleure commande que j'ai passée chez YesStyle. Du coup, si la vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à la liker. Et voilà. Bon, je te laisse avec la suite. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer avec ce petit haut qui est en sorte de suite vraiment très très court. Donc, en dessous, en fait, je mets une brassière. Et il est vraiment très beau. Derrière, c'est aussi court. Et vraiment, il est canon, quoi. Tu valides ou pas? Ouais, franchement, il est canon. Il est quand même, c'est validé. Ah non, c'était un ensemble. Et en fait, il va avec une jupe rose. La jupe, c'est elle. Voilà à quoi ressemble la jupe. Alors, elle est bien, mais elle est vraiment très serrée. Mais sinon, bah écoutez, l'ensemble, je trouve stylé. J'aime bien. Validé. J'adore. Ensuite, on continue avec quoi? Ah, avec ça. C'est à peu près le même délire que le haut que j'ai actuellement. Sauf que lui, il est un peu plus... Enfin, il est moins court. Et le de couleur bleue. Voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très très beau. Ouais, il est joli, hein. Lui, j'aime bien. Il est plus traditionnel, si je peux dire. On peut plus le mettre dans la vie de tous les jours. Parce qu'il est moins court. Il est vraiment très très beau. Ensuite, un deuxième haut. Il ressemble à ça. De couleur bleue. On va voir ce que c'est. Je ne sais plus exactement. Ah oui, trop cool. C'est un haut, vous savez, à... Faut tirer là pour que ce soit un petit peu plus court. J'aime bien, hein, je vais essayer. Et voilà à quoi il ressemble. Yolande, elle le trouve mignon. Moi j'aime bien, mais je sais pas, genre c'est pas mon style du tout quoi. Je vais pas très rarement ça, mais j'avoue que joli avec les petites épaulettes et tout. C'est validé. Et en plus j'ai le même en violet. Donc on va l'essayer aussi. Elle dit ressemble à ça. On entend Yolande tousser. Et voilà un peu le violet. Alors je sais pas quelle couleur vous préférez. Moi les deux couleurs j'adore, en plus le lilas. C'était grave tendance l'année dernière. Mais honnêtement je trouve que les deux petits hauts sont jolis. Après c'est pas de mon style, mais ça va, ça passe. On va passer avec un autre haut. Comme ça il a l'air d'être super simple. Un petit haut blanc avec un col noir. Hop là. Il a l'air d'être mignon. Voilà à quoi il ressemble. Bon écoutez, j'aime bien, on voit un peu à travers. Donc c'est le gros point négatif. Il est beau, il est simple. Mais sinon voilà, il est beau, il est simple. Franchement. Il est simple, simple et efficace. Simple et efficace, mais on voit pas à travers. Donc c'est un peu dommage. Oh my god, ça! C'est le dernier haut, je crois que j'ai déjà. Après, c'est des pantalons, des accessoires, etc. Ça a l'air d'être à suite. Oh, c'est un gilet! Trop bien, c'est un gilet un peu court. Oh, ça l'adore! Oh my god! Tout ce qui est court, j'adore. Donc là, je vous garantis pas que ça va aller avec le haut, mais en tout cas, c'est un petit aperçu. Les gars, je suis trop fan. J'adore. Bon là je ressemble à rien, parce que clairement ça va pas ensemble, faut que je mette une petite brassière noire. Mais mon dieu. La petite capuche qui est là, que je ne vais pas mettre parce que j'ai un chignon, mais voilà. Tout à l'heure j'ai dit que c'était le dernier haut, mais en fait pas du tout, il y a celui-ci. Je crois que c'est un haut noir classe. Ah oui, je me souviens, c'est avec une seule épaule, vous voyez, genre une épaule dénudée et une épaule... brassière, comme ça si je peux dire. Bon, Yolande elle valide, moi je ne valide pas, parce qu'en fait le truc... Genre, déjà c'est trop rond. Et en plus j'ai l'impression que ça va pas. Genre c'est un truc en trop, ça c'est en trop. Oh. Non, j'aime pas du tout. Non, je ne valide pas. Ok, bon, du coup là on va continuer avec des jupes. J'ai pas mal de jupes. Des jupes, c'est ce que je porte le plus dans ma vie. Que ce soit en hiver, en été, en automne, n'importe où je vais porter des jupes. Donc là j'ai pris une noire comme ça. Et exactement la même en bleu, parce qu'il y avait plein d'autres couleurs, je crois même qu'il y avait rose. Et j'en ai pris une en L et une en M, parce que les jupes c'est très délicat sur les styles. Du coup on va tester la M. Bon guys, Yolande est sous de moi. Elle dit ah, ça fait fifi, c'est quoi, c'est des bonbons, c'est des fleurs? Non c'est des fleurs frère, c'est des fleurs non?
Et ben moi j'aime bien, la vérité. Là il y a une petite ouverture un peu fendue, je vais vous montrer comme ça. C'est un petit peu fendue. J'aime bien. Là on va essayer la bleue qui est pépite. Taille L, je pense qu'elle va être moins serrée. Bon j'ai un gros problème, taille L de rien du tout. Ça c'est encore plus petit que la jupe noire que j'ai essayé. C'est du taille S, c'est sûr et certain. C'est vraiment minuscule. Regardez, je suis étriquée comme jamais. Un boudin. Mais sinon c'est dommage parce qu'elle était belle hein. Bah, elle est méga serrée, je peux pas mettre ça. C'est pas possible, là franchement j'étouffe. Là j'ai reçu cette jupe. Une jupe qui est beaucoup plus fluide et qui est de couleur rose. Alors moi le rose vient cher. Voilà à quoi elle ressemble. Oh, j'adore. Je l'adore parce qu'elle est méga fluide. Genre elle est trop trop fluide. Tu te sens trop à l'aise dedans. Elle taille bien. J'aime trop celle-ci, vraiment. C'est ma préférée, je l'adore. J'ai totalement oublié les gars, mais j'ai reçu un t-shirt comme ça de couleur rouge. Et il m'a l'air d'être super élastique. Hop 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 hop. J'aime trop avec une jupe noire là. Les pépites, non? Le petit rouge. Oh, j'adore. Il est stylé, hein? C'est hyper commencé. Et la vérité, il y a des trop trucs sur les stages, je suis trop contente. On va maintenant essayer des robes. Alors, je suis désolée, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Il y a des t-shirts, il y a de tout, il n'y a aucun sens. Mais j'ai reçu des robes, donc on va essayer ça de suite, notamment celle-là, la qui me fait de l'œil. Couleur bleue, elle m'a l'air d'être un peu froissée, vous voyez, un peu pliée. Oh là 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 là! Je les prends taille S. Mon dieu, la couleur. J'arrive. Petite robe comme ça, couleur bleue, que tu peux venir resserrer là. Mais je la trouve trop belle, les gars. Je suis complètement fan. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle est absolument incroyable. J'aime trop. Et sur Yesta, il y a des trop beaux trucs. C'est ce qu'on ne fouille pas assez. Mais il y a des dingueries, il y a des pépites. Deuxième robe que j'ai reçue, elle est toute blanche. Elle fait un peu plus genre village. Oh là là. Être trop belle. Bon, que pensez-vous de cette robe, les amis? Je sais pas quoi en penser parce qu'en fait c'est pas du tout mon style et c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter, mais c'est vrai que sinon elle est jolie, genre elle passe bien. Après c'est un style à aimer, soit on aime soit on n'aime pas. Moi je suis pas complètement fan, mais c'est vrai que de toute façon elle est jolie quoi, on voit pas à travers etc. Donc c'est validac. Prochaine robe, cette fois-ci c'est une violette comme ça, elle m'a l'air d'être beaucoup plus fluide et un peu large, un peu beaucoup large même. Mon dieu, elle est immense, non? Taille M pourtant, bon écoutez, je vais essayer. J'arrive. Bon guys, Yann vient d'arriver, elle m'a dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait vieillot. Là je suis d'accord avec elle, c'est pas moulant du tout. Pour moi elle est même un petit peu trop longue. Là après c'est bien parce que là tu peux resserrer à mort, mais bon ça fait mémère. Le dos il est beau par contre, mais c'est que le devant là ça fait archi mémère un col comme ça. Je n'aime pas du tout. Ah guys, ici on a un ensemble, je crois que c'est un haut avec sa jupe blanche. Ok, alors là on a une petite jupe comme ça, blanche. Et ensuite on a le haut. Oh, oh my god, j'aime trop. Le haut devant avec des petits boutons, vous savez. Et là derrière en fait c'est croisé. Bon, je peux dire que c'est validé. Mais le seul gros problème c'est qu'on voit à travers. Mais sinon c'est validé parce que franchement le devant ça va, j'aime bien. Le dos comme ça il est croisé, donc du coup ça fait classe. Mais derrière en fait si je la mets haut, en fait on voit tous mes fesses. Donc c'est une jupe qui est extrêmement courte. Ah oui, j'ai aussi un autre t-shirt, enfin un autre top, trop bizarre. Donc je vais essayer vous, mais je crois que ça va être le truc hyper court. En fait, regardez, c'est une sorte de petite brassière, là t'as des ficelles, et là t'as les épaules. Ok guys, voilà à quoi ça ressemble. Ok, c'est vraiment laid, hein. je n'aime pas du tout. Je me sens mais étriquée dedans. Là franchement j'aime pas, il y a juste le dos qui passe. On va tester les pantalons juste après. Ok, alors ici j'ai le pantalon que tout le monde connaît avec des petits cœurs. Il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai pris en bleu. Enfin, oh my god. Mamma mia. Les gars, regardez comme il est trop beau. Il taille trop bien. Je l'adore. Genre magnifique. Je crois lui, je vais le prendre de toutes les couleurs. Il y avait marron, il y avait noir je crois. Ici on a pareil, pantalon grave en vogue. Il y a plusieurs couleurs également et il est large. Tada! Les gars, il est trop validé aussi lui. Il est trop magnifique. Il est un petit peu plus large que l'autre. Il y a deux petites poches à l'arrière. Il est assez simple. Lui, je l'adore. Encore plus que le cœur. J'adore. Ici, on a un pantalon comme ça marron. On dirait un slim. Je sais pas du tout, je me souviens plus l'avoir commandé, mais écoutez, on va voir. Ok, bon, je suis un peu mitigée. Parce qu'en fait, au niveau de la taille, bon, c'est un peu grand, mais bon, ça, à la rigueur, avec une ceinture, ça passe. Et en fait, vers le bas, c'est un peu genre en mode patte def.
Donc j'aime bien, mais j'ai l'impression que moi ça me va pas. Donc ça va, ça passe, les gars. Il y a pire, mais ça passe. Là, ici, on a un pantalon d'une matière trop bizarre. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ma petite tenue d'amour me dit qu'elle adore. Donc en haut, il est vraiment bien serré au niveau de la taille. Tout ce que j'aime. Les petites poches. Derrière, il y a aussi des petites poches. Et voilà à quoi il ressemble. Ouais, j'avoue, il est stylé, hein. Je suis trop contente. Et les styles, ils m'épatent. Là, on a un jean un petit peu zébré. Ah, je sais pas ce que j'ai pour l'instant. Il a l'air d'être absolument géant. Je vais voir ce que ça donne pour le thé. Ok, celui-ci, niveau de la taille, absolument parfait. Mais je suis choquée. Et franchement, il taille trop bien. Il est stylé. La vérité qu'il est stylé de fou. Derrière, il y a la les deux poches comme ça, léopard, zébré. J'aime trop. Là maintenant on va tester tous ensemble un dernier pantalon que j'ai déjà mis, que j'adore. Franchement c'est le meilleur pantalon style que j'ai essayé, parce qu'il est trop à l'aise, il est trop agréable, il est fin, tu le sens pas, t'es trop confortable dedans. Je vais essayer. Moi je dis pop pop pop, il est trop beau. Pareil ici on a les deux petites poches sur les côtés. Derrière on n'a pas de poche, mais il, en fait il est comme ça. En bas il est un petit peu desserré. Oh là là, j'adore. La vérité j'aurais même dû prendre un taille S pour dire qu'il soit vraiment plus serré encore. En tout cas ce haul touche à sa fin. Ah non, j'ai un sac blanc, je vais vous montrer. C'est un sac blanc, sur le site Yesta, il y a énormément de sacs baguettes. Et voilà, ça va, enfin, ils cassent pas non plus des briques, mais on va dire que c'est des petits sacs assez simples. Ils sont jolis. Et après les gars, je me suis pris une coque de téléphone, mais regardez la coque. Elle est pas un peu trop mims? Il y a plein de coques, il y avait des coques avec des grosses pêches, etc. Non mais sinon, vraiment, je vous dis la vérité, moi quand je suis dans mon lit, je tiens mon téléphone comme ça et comme ça je geek et tout, et comme ça mon téléphone ne tombe pas. Bon guys, cette vidéo du coup elle touche à sa fin. J'espère grave 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 qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous avez découvert des bêtes de vêtements. Moi c'est la meilleure commande que j'ai passée sur YesStyle, autant au niveau des jupes que des pantalons. Les pantalons c'est une super découverte. Et les hauts, j'aime trop les petits hauts comme ça, assez courts et tout. Ils taillent trop trop bien. Donc surtout prenez une taille au-dessus quasiment pour tous les vêtements. Regardez les commentaires, parce que les commentaires nous aident beaucoup à savoir si on doit prendre notre taille, une taille en dessous ou bien une taille au-dessus. Mais vraiment 80% du temps pour prendre une taille au-dessus. Et voilà, en tout cas cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher ton gros pouce bleu, moi ça me fait trop plaisir. Surtout ça va encourager Yolande parce qu'elle est malade, donc du coup ouais. Demain t'inquiète même pas, même si elle est malade j'ai envie qu'elle filme, donc on va filmer ensemble. Je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao ciao ciao.